Bonjour, bonsoir, dépendamment qui est branché pour regarder la vidéo, ça, moi c'est Stéphanie Menadi. Et bien voilà, je dis à nous ensemble pour nous faire un tuna sandwich. Et bien, mes tuna que je vais utiliser pour moi faire tuna sandwich, moi, je vais utiliser deux cannes et ensuite mes ingrédients pour mettre là-dedans. Avant, nous avons une mayonnaise, oignon. Nous avons utilisé des oignons violettes et nous avons une pièce qui est importante pour mettre dans ton sandwich, c'est le céleri. Vous avez besoin de céleri bien lavé et puis vous avez besoin de dice. Tout petit pour mettre là-dedans. Ça, c'est un poudre d'ail qui est seasoning. Mais si vous n'avez pas de poudre d'ail, vous pouvez arracher dans l'ail ou smash pour mettre là-dedans. Vous pouvez mettre en deux dans l'ail. Et puis nous avons une poudre poivre. Ok? Pour nous capables mettre là-dedans et puis mes qui pain pour utiliser pour sandwich moyen m'a utilisé whole wheat bread parce que même c'est pain ça manger but si vous mangez pain blanc like white bread ou qu'a toujours utilisé le pain que ou remet. OK, so nous avons lavé tête Kenyan parce que leur acheter bagarre dans boîte ça faut toujours laver parce que en pile même rien en pile poussière. OK, so now alors ouvert que non les gens ont de l'eau là-dedans ou besoin d'un passoire pour couler les moi-même toujours vide un petit de l'eau sous les quand même. OK, toujours vide un petit de l'eau pour rincer et non passoire après ça moi mettre les pour mal travailler ensemble avec les voilà ouais mais mettre dans canne mettre dans passoire et puis vide un petit de l'eau sous les moi rincer parce que pas même de l'eau qui était dans canne ensemble avec amen ça c'est moi-même. OK, maintenant on a passé avec céleri, nous sautrons ces céleri, voilà, on a toujours rincer encore. Voilà, et puis on peut je prendre son pour racher les tout petit. On fait un small dice. OK? Ou pas capable mettre céleri là à faire tourner sandwich parce que son bail qui important, faut mettre petit sel, petit poivre. Et sous l'eau, on met un petit acide tout léger. Et puis on met Dijon mustard. Et ensuite, on met des oignons. Et en plus de ça, on boit ces lampes pour qu'il y ait bien mix. Et on goûte les pour essayer de goûter. C'est un bagage qui est bien facile. Et c'est un bagage qui est bon au café là. On met dans le frigidaire. Et puis chaque faire midi, 11h, on peut prendre pour lunch avec un petit chips ou bien un petit salade. OK, mes oignons, hein? OK, meni, nous souhaiterons ces oignons. Les plus bons pour mettre les oignons violettes, mais si toutefois pas d'argent jeune oignon ça, on va toujours mettre les oignons blancs. J'aime du lance bah on va faire pour petit tout, pour un petit mon gars qui va à l'école, on va mettre dans boîte à lunch li. Ou bien on va même faire pour mari ou même pour le travail. OK, et puis on va kembe li cold. Pas mettre les côtés qui chaud sous fin faire les fois que belle dans frigidaire si ou bâti mon dans boîte dans pour l'école comme c'est fort qu'on est boîte dans pas parler dans une couleur. OK, pour qu'a toujours qu'embé les frais. OK, so nous mettez céleri, nous mettez oignons, qu'on y en a mettre poudre l'ail là, j'aime je lance pas rien poudre l'ail ou qu'a toujours calé l'ail normal et nous se mettez Dijon mustard. Quand on a mis 3 gros cuillères, nous allons manger 3 cuillères de mayonnaise. OK? Voilà. Et puis, on boit ça. Dans le jeu, ça va de pas comment on remet les gens qui remet pour grand pile mayonnaise. En pile. Mais je ne pas vraiment remet pour grand trop mayonnaise. Je suis seulement mis 3 cuillères. Et puis, voilà, je mis un petit sel là tout petit pour grand petit goût. Et je suis mis en. Half tablespoons of salt et puis moi juste mettez un petit black pepper just to taste. OK, quand on va mettre un petit que mayonnaise encore parce que j'ai pas moi wel ka font ti manquer ça c'est moi même voilà ou que t'es presque fini m'a goûter pour moi comment les goûts s'il gagne un bon petit goût acide tout bagay ça yo c'est vraiment bon c'est très facile à faire et puis quand on nous toaster pain hein. J'aime je là ou ka fè nan pain que ou vle ou ka fè nan white bread ou ka fè nan wheat bread mais c'est wheat bread que manje m pa manje white bread quand y a l'eau fin mete là-dedans ou couper li comme ça et puis pour ka garnish tant que si ou servi moun nan comme ça maintenant ou juste mete un petit fruit li fio
ou pas comprendre ou mettre là-dedans et puis voilà, mais produit final là, c'est vraiment vraiment bon, bien facile. Pas oublier pour nous visiter website là stephanietradeunionentreprise.com. Nous connaît nous gagne crème gingembre là, nous gagne crème de grenadia. Bon, deux crèmes ça, on pas connait qu'est-ce qu'a quitté pour l'autre tellement mon acheter au grenadia avec gingembre là. C'est bon bagage, nous pas pour regretter visiter website là. Sur gagne téléphone ou nan mon là au casquin code là, l'a vous directement sur website là. OK, et c'est pas seulement crème qui gagne sur website là, nous gagne assiette, nous gagne maillot, tout ça, visitez ou pas je me connais qui on qui baga ou ka intéressé avec. So, merci pour temps ou te prend pour regarder vidéo, c'est ton petit vidéo qui tout short. J'aime jo lance ou ba ou café pour manger, pour snack ou bien en pour lunch ou café pour mari ou pour petit ou pour al travail, tout ça, c'est très facile à faire. So, m'espère que nous apprécier ça et na partager vidéo avec l'autre monde. M'a dit nous merci. Et nous avons une crème à gingembre, une crème à vanille. Et ensuite, nous avons une crème à chocolat. En pile, nous avons une crème à chocolat. C'est bon bagaille, bon bagaille. Tout autant les racines, les pigoutis. Et nous avons une crème à grenadier. Nous là, en pile, nous avons une grenadier à gingembre. Ni les mêmes ni gingembre, nous avons un number one. Et bien, nous avons encore pour l'autre vidéo. Nous avons merci et partagez. Bye bye. Love you guys.